Salut tout le monde, c'est Kimura 9 pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur Forza Horizon 3 à la recherche de la Kimi Car, tout le monde. Et nous sommes au volant d'une Zenvo. J'ai failli pas le dire. Une Zenvo qui n'a pas été réglée par Blue ni par Mimi, mais par moi-même. J'en suis quand même assez fier. Elle tourne bien, d'après moi. Voilà, ouais, elle tourne plutôt bien. C'est pas forcément la plus rapide. Mais, il faut se le dire. Peut-être que la Zenvo prend feu. On est d'accord, peut-être que la Zenvo prend feu, mais je viens de me prendre un mur, mais elle a de la gueule. Elle a de la gueule, d'ailleurs je vais même changer de vue, voilà, je vais mettre comme ça, parce que la précision, j'adore. Mais enfin, pour cette vidéo, voilà ce qui va se passer. En fait, on va faire les... On va tout simplement regarder les quelques voitures, il y a beaucoup de voitures qui vont être reprises, hein. C'est les fameux épisodes que je vous parlais, où en fait, on va prendre... les voitures des épisodes précédents, les meilleures, les comparer, voir, et ensuite choisir la Kimi Car. Voilà. Et là, c'est le dernier épisode. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien après. C'est tristesse, tristesse. Donc j'espère que la Kimi Car vous plaira. En tout cas, moi, elle me plaît déjà, hein, histoire de vous dire. Oh, oh, ouh, ça passe. Alors ensuite, au niveau du temps, puisque je suis en train de vous parler, que je suis pas forcément très concentré sur ma conduite, on va juste faire normal des temps, je vous parlais un peu de la voiture, un petit peu de tout et n'importe quoi. Et à la fin de l'épreuve, en fait, je vous mettrai le temps d'entraînement, en fait, de quand j'ai essayé les voitures en off. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, au moins, on pourra un peu comparer un peu toutes ces voitures. Donc là, la Zenvo, là par contre, là j'ai chié dans la colle, là on va se le dire, j'ai chié dans la colle. Je me suis mis 5 secondes de plus. C'est pathétique, je fais 1,50 en entraînement avec cette voiture normalement. Mais enfin là, écoutez, c'est le jeu. Voilà. Bon allez, course suivante, on n'a pas que ça à faire. Et ben voilà tout le monde, on se retrouve au volant d'une Licane. Une voiture qui a de la gueule. Il faut se le dire, hein, cette voiture a vraiment de la gueule. Même si. Il y a un problème, je trouve. Le son de cette voiture est étouffé. Je sais pas pourquoi. On va se mettre la vue d'intérieur. Parce que franchement, l'habitacle de cette voiture est juste phénoménal. Je l'adore. Alors, la voiture, à l'origine, est réglée par Mimi. Là, elle l'est toujours. Elle a juste été retravaillée. Parce que, autant dans la dernière vidéo, elle prenait quand même, il faut le dire, assez bien les virages. Mais il y avait quand même quelques petits défauts que Mimi a corrigés. C'est plutôt pas mal. Encore un gros boulot de Mimi, ça fait plutôt plaisir. Elle est toujours pas aussi rapide, mais, je viens de me chier. Mais, elle est belle. Elle est belle, maniable, ce qui fait plaisir. Et c'est ce qu'on lui demande aussi. La vitesse max d'une voiture, enfin, pour l'instant, en ligne, sur Forza, on l'attend. On l'atteint pas. Alors, on peut prendre l'exemple de la Ferrari, je crois que c'est la F430. Qui va à 440 km/h, mais en multi les 440 km/h tu les touches pas. Oh putain, j'ai pas freiné à temps. Là ouais, tu les attends pas, c'est malheureux à dire, mais bon voilà quoi. Mais je pense qu'en fait la vitesse max de notre petite Licane suffit pour jouer en ligne. Ensuite, si jamais ça peut arriver. Vraiment, vous n'êtes pas assez rapide, bah écoutez, la voiture, elle tourne. Vous pouvez prendre des trajectoires que les autres ne peuvent pas prendre.
ça, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, alors normalement peut-être qu'on va se faire une 52, une 50. En entraînement c'était une 50. Bon, bah voilà, j'ai fait un peu la merde, mais bon, visiblement c'est passé, j'ai dû reprendre de la vitesse autre part, donc ouais, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la Icane, une assez bonne voiture, moi je l'aime bien, stylée, maniable, la vitesse c'est pas tout à fait ça, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, voilà, allez, course suivante. Et voilà tout le monde, pour cette nouvelle voiture, nous sommes sur une voiture réglée par Blue, une Noble M600. On va se mettre un petit peu la vue comme ça, parce que je sais qu'il y en a, ils préfèrent cette vue sur Forza, je vous comprends. Hein, mais bon. Donc, la Noble M600, une voiture réglée par Blue, sans doute l'une des rares qui est capable de tourner et d'esquiver les murets, ce qui fait plutôt plaisir. Alors, la voiture est très rapide, c'est une voiture de Blue. Elle est maniable, c'est surprenant venant de Blue. Elle a cependant un défaut. Un défaut que j'avais relevé la première fois que je l'avais essayé en vidéo, c'est son son. Comment dire ça ? Alors, on n'est pas au niveau de la Licane. La Licane qui a un son étouffé. Mais elle, en fait, le son n'est pas étouffé, mais il est trop... On dirait un chaton. C'est ça le problème, on dirait un chaton. Et je serais même prêt à dire que le son ne va pas en rapport avec les perfs de la voiture. C'est le souci. C'est le souci. Mais bon, en tout cas, on a une bonne vitesse. On a de la maniabilité. Bon, le design de la Noble, bon écoutez, je dirais que c'est un petit peu simpliste, c'est un petit peu vieux. Je pense que c'est Noble qui cherche à rester sur leur design. Hein, voilà, j'ai envie de te dire. Un peu comme Porsche. Non. Porsche, c'est du foutage de gueule. Mais bon, Noble, bon, voilà. Bon, le design, voilà, il n'y a rien à rajouter. Donc voilà. Mais bon, bon, on a quand même une voiture de Blue qui est capable de tourner, de prendre des virages assez compliqués, de reprendre sa vitesse. Bon là, je me suis chié ce virage parce que je me le chie à chaque fois. Alors avec cette voiture, déjà, est-ce que le temps de l'envoi, est-ce que l'accélération va suffire à essayer de rattraper la gaffe que j'ai fait dans le virage? On est sur une 49, en général je fais une 49, une 50 avec aussi. C'est pas dégueulasse, on est sur... On est bien, voilà, ouais. Donc c'est pas mal du tout. Allez, voiture suivante, tout le monde. Et bien voilà, tout le monde, on est à bord d'une Pagani Aura, réglée par Mimi, nous le savons bien. Alors, cette voiture, par contre, voilà, elle se pilote comme ceci. Alors, elle n'a pas été réglée, retravaillée par Mimi, parce que la voiture, nous le savons bien, est déjà ultime. Les réglages suffisent très bien à eux-mêmes. Franchement, je n'ai rien. Oh putain, j'ai pas géré. Je n'ai rien à dire sur cette voiture. Enfin, voilà quoi. Je l'ai déjà présenté. On l'a déjà acclamé. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, à part qu'elle est magnifique, qu'elle est maniable, qu'elle est rapide, qu'elle reprend l'accélération rapidement. Je ne sais pas, malgré que là je parle et que je suis en train de chier à peu près toutes mes trajectoires. Mais bon, écoutez, voilà, c'est le sport. Et que aussi, il fait une température monstre et que c'est complètement suicidaire de tourner une vidéo avec son PC en ce moment. Voilà, bon, ça c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Allez. On fait des petits coups de frein, on tourne, on reprend l'accélération, c'est parti. Ah là là, franchement, les performantes, c'est comme pas possible. Les réglages aux petits oignons. Magnifique. Hop. On freine un peu ici. Et on reprend. Allez. Est-ce que je vais réussir à battre mon record? Non, c'est mort. Ah. En entraînement avec... Parce que maintenant, enfin, je m'étais bien entraîné, j'avais fait une 44. Là, j'ai fait une 45. Bon, écoutez, c'est pas grave, on était proche. On était presque. Mais enfin, c'est pas grave. Je suis déçu. Voiture suivante. Eh bien... Pour cette dernière voiture, tout le monde, nous sommes sur une magnifique Pagani Zonda R que nous avons pilotée comme ceci. Parce que voilà. Hein. Alors désolé, alors oui, en live,
on avait pris cette voiture et j'ai pu comprendre que certaines personnes n'aimaient pas le son de son moteur. C'est vrai qu'il était agressif. C'est vrai que moi-même, là aussi, j'ai pas baissé mon son et que je suis en train complètement de souffrir. Ça fait du son, ça fait du bruit. Mais après tout, moi, c'est ce que je veux dans une voiture. Là, je me suis complètement chié le virage. Alors, autant vous dire, cette voiture se rapproche énormément de la Pagani Yaora de Mini. Cette voiture aussi est réglée par Mini, vous me direz, de toute façon. Donc, on va peut-être faire le même temps. On va peut-être faire le même temps, à voir. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. De si, de 1, j'arrête de vous parler et que je me concentre un minimum sur mes trajectoires, sur le circuit, ça pourrait être pas mal. Et aussi, de base. Non, y a rien d'autre à rajouter. On va essayer de pas trop se chier ici. Je suis chier. J'y suis chier. Enfin, vraiment, pas gagné, ils ont toujours fait des voitures, mais... performantes, quoi. Tu peux pas tester, quoi. Les mecs, tout est pensé pour que la voiture arrive le plus vite possible. C'est magnifique. Comme les autres marques, tu me diras, hein, d'accord. Je suis en train de me chier. Pas mal ça. Ouais non. Ouais, comme quoi. Dites-vous qu'en entraînement avec cette voiture, bah, j'ai aussi fait une 44. Comme la Yaora. Donc. Ouais. Là c'est sûrement le virage que je vais toucher. C'est chaud comme une trajectoire. Peut vraiment te faire influer ton temps final de quelques secondes. C'est vraiment fou, hein. Enfin. Donc là maintenant, c'est le moment de dire laquelle voiture sera là et déjà, parce que moi je sais laquelle c'est, hein, la Kimi Car. Écoutez, je n'ai pas envie de vous répondre là parce qu'il y a une autre vidéo qui devrait arriver. C'est les fameuses Look at My Car. Mais édition, j'ai envie de vous dire, spéciale à la recherche de la Kimi Car. Donc en fait, dans cette vidéo, en général, on vous passe des réglages. Mais là, on va vous passer des réglages de voitures qu'il y a eu dans cette espèce de série de 8 épisodes à la recherche de la Kimi Car. Bon, bien sûr, allez-y, hein, dites les voitures que vous aimeriez avoir les réglages. N'espérez pas avoir les réglages de Mimi, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, essayez quand même. Voilà. Donc bon. La Kimi Car, je sais laquelle c'est, je vous l'annoncerai dans l'autre vidéo. Mais à mon avis, vous n'allez pas être trop surprise. Pas trop surprise, bien sûr. Allez, bye tout le monde pour une prochaine vidéo.